Son visage est partiellement dissimulé par une écharpe et des lunettes. De son sac, elle sort une barre de seuil. Et elle va la coller sur la trappe. Quelques instants plus tard, une première victime s'avance. L'homme tape son code et demande 80 euros. Mais après avoir récupéré sa carte, aucun billet ne sort. Exaspéré, il finit par s'en aller. Aussitôt, la jeune femme vient récupérer son butin. Comme on peut le voir sur cette image, les 4 billets de 20 euros qu'avait demandé la victime sont restés collés sur la barre. L'opération va se renouveler plusieurs fois au cours de la journée.